Donc on est aujourd'hui à l'inauguration du Square Labadier, qui est un square qui a la particularité d'être tout en rond. Et donc ce qui était très intéressant pendant la concertation, c'est la manière dont les habitants ont déterminé ensemble les différents usages avec la localisation des usages. Donc ça permet de concilier plusieurs demandes en fait, hein, celle des enfants, celle du jardin partagé, celle de laisser au milieu un espace événementiel pour des kermesses, des vide-greniers ou des petits concerts. Et donc du coup ça donne ce côté un petit peu harmonisé, là, harmonieux du jardin, où chacun, j'espère, pourra s'y retrouver. Ça y est, le marché Saint-Victor a vraiment trouvé ses marques avec tous les artisans, tous les commerçants, tous les exposants. Je vous rappelle, c'est du bio, c'est du local, c'est une fois par mois, c'est tous les derniers dimanches de chaque mois. Donc il y a une petite pause estivale juillet-août parce que vraiment, il fait vraiment très chaud. Et ben, je suis très content parce que c'est la première année qu'on peut jouer sur les nouveaux terrains que nous avons fait au début de l'année. Et les retombées sont très positives. Je suis extrêmement content que ça marche tout de suite. On voit tout de suite les résultats de notre travail. Bonjour à toutes et tous. Ça y est, on y est arrivé. Voici l'inauguration officielle, elle est sympathique, de la nouvelle girafe. Je voudrais rendre hommage effectivement à mon prédécesseur, Patrick Menucci, qui a eu l'idée de faire cette girafe avec vous. On est content de vous avoir retrouvé, vous, le collectif ABC, pour lui donner une nouvelle vie aux couleurs du ciel de Marseille. Aux couleurs de la mer, aux couleurs de l'OM, aux couleurs de la ville de Marseille. Et puis elle va vivre sa nouvelle aventure, cette girafe, qui est déjà très populaire, j'ai remarqué, évidemment, auprès des habitants. L'installation de Vol Plané, de l'échappée belle théâtre-école, dans une école. Comme souvent dans les belles histoires, c'est issu d'une rencontre. Car avec Sophie Camard, nous avions appris qu'effectivement, ils cherchaient des locaux. Ils étaient hébergés par le ZEF, mais que ça devait prendre fin. Et nous, on avait le dernier étage de l'école du Vallon des Offes, dans cet endroit qui est au fond, on va dire, qui a quelque chose d'exceptionnel. Culture à ciel ouvert. C'est un moment de reconnaissance pour un lieu qui a enrichi notre ville de merveilleuses expériences culturelles. Au fil du temps, le Théâtre Sylvain a été le témoin de nombreux changements, de nombreuses péripéties. Il a su s'adapter tout en conservant son charme intemporel. D'Eugène Sylvain à Patti Smith, en passant par Maurice Béjart, Philippe Cobert, Marie-Claude Pietragala, le théâtre, l'opéra, le jazz, le hip-hop, le cinéma en plein air. Ce théâtre a vibré et vibre encore de tous les styles pour des soirées toujours magiques. 12 compagnies de Marseille qui nous ont proposé de la danse, du théâtre, de la musique, avec des prologues, un public fidèle, de plus en plus nombreux. 6 nouvelles réserves autochtones vont voir le jour au Brésil. Saupoudré de sucre glace. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes là ? Je vous souhaite la bienvenue au nom de la mairie des 1er et 7e arrondissements. Ici, au cœur du triangle Noailles-Belzunce réformé. Dans ce triangle, on est donc au cœur du centre-ville. Si on est au cœur du centre-ville, on est au cœur de Marseille.
Nous sommes ici au Théâtre Sylvain et nous allons accueillir une centaine de seniors pour un repas organisé par la mairie du 1er et du 7e arrondissement de Marseille. Nous avons l'habitude maintenant d'organiser ce genre d'événement avec les seniors pour leur permettre de passer un bon moment tous réunis. Et ce soir au menu, sur fond musical, c'est une belle paella cuisinée sur place. Ce qui va se passer, comme dans le reste de Marseille, c'est un quadrillage de la ville par des équipes citoyennes. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que ce sont des citoyens qui sont volontaires. Et je pense que Marseille peut être fière de cette réponse citoyenne aussi massive, qui vont quadriller la ville, aller à la rencontre des personnes qui dorment à la rue. Je suis ravie de présenter ce point d'étape sur un engagement et un projet fort de notre mairie, qui est la régie de quartier. Alors la régie de quartier, Noailles-Belzunce, puisqu'il existe déjà des régies de quartier, notamment dans les quartiers nord et dans d'autres villes de notre département. Une régie, je pense qu'autour de la table, vous devez savoir, j'imagine, ce que c'est, mais on peut rappeler que c'est une, avant tout, il faut arriver à monter une association à la gouvernance partagée pour créer et mutualiser des emplois d'insertion, d'utilité sociale, d'économie sociale et solidaire qui répondent aux besoins d'un territoire. Et les besoins de ce territoire dans le centre-ville, sur les quartiers politiques de la ville Noailles-Belzunce, il y en a beaucoup. Et avec les élus de la mairie du 1-7, nous accompagnons Madame la maire Sophie Camard pour présenter tous les chantiers de voirie qu'il y aura dans le 7e arrondissement et aussi dans le 1er arrondissement. Alors nos priorités, évidemment, c'est d'améliorer toutes les rues où la chaussée est très dégradée. Donc il faut faire des travaux sécuritaires pour améliorer évidemment la sécurité pour tous les usagers et usagères de la voirie. On est aux cérémonies de remise des prix de fin de scolarité. La ville de Marseille a décidé d'une politique qui est de redonner à tous les enfants de toutes les républiques de Marseille en CM2, au moment où ils vont passer en 6e, un diplôme et un prix, qui est cette année un livre « Un jardin à Marseille ». Le but, c'est de marquer le passage de tous ces enfants depuis nos écoles primaires vers les collèges, de remercier l'ensemble du personnel éducation nationale, les enseignants, les directeurs, les directrices, mais aussi l'ensemble du personnel municipal. Je suis ravie de cette matinée d'installation du conseil d'arrondissement des enfants, puisque à l'origine, au sein de la mairie du 1-7, ce conseil d'arrondissement a fait l'objet d'un vœu qui émane des ateliers de nos SICA, les comités d'initiative et de concertation d'arrondissement, en particulier l'atelier tranquillité publique et propreté. Donc voilà, c'est un aboutissement du premier vœu de notre atelier. La mairie du 1-7 a décidé d'accueillir l'exposition « Dessine-moi le droit », qui est une exposition dans le cadre d'un programme qui s'appelle « Éducadroit » en lien avec le Défenseur des droits et l'association « Cartooning for Peace » qui décide de traiter de grands sujets de société avec l'aide de dessins humoristiques. La maire de secteur et sa majorité a décidé de lutter contre la fracture numérique, l'électronisme et souhaite rapprocher les centres de décision, les centres administratifs de nos administrés. Après avoir mis en place au CMA Saint-Georges dans le 7e arrondissement un espace dédié à la lutte contre la fracture numérique, mais aussi l'accueil de publics en difficulté pour leurs papiers, avec deux associations, le Secours Populaire Français et l'Encre Bleue, aujourd'hui nous accueillons sur l'espace Chanterelle, le CMA Chanterelle, dans le premier arrondissement, dans le haut du premier arrondissement, la mise en place d'un point de démarche administratif pour recevoir le public. Et je suis heureuse de vous présenter donc un dispositif qui a été mis en place par la mairie 1-7 dans une convention qui a été signée avec les compagnons bâtisseurs. Dans cette perspective, il y a une permanence qui se fait donc au CMA Velten lundi matin tous les 15 jours, les semaines paires. Donc 16 rue Bernard Dubois, de 9h à midi, donc les personnes effectivement peuvent être accueillies. Et là sont reçues par Fatma Abdelkader qui les accompagne.
Et ensuite, s'il y a besoin, il peut y avoir un prêt de matériel qui se fait avec les compagnons bâtisseurs au sein du siège des compagnons bâtisseurs dans le 6e arrondissement.